le maire, son suprême. Une mère est comme un abri de sa famille. Une organisatrice naturelle. Elle est celle qui construit le foyer. Elle est celle qui cherche les conforts et les biens de tout le monde dans la famille sans aucun intérêt. Elle a toujours voulu le confort et la sécurité de la famille. Les mères sont la manifestation de l'amour de Dieu dans deux familles. Et moi, Norma, je ne suis pas une mauvaise mère. Non, je ne le suis pas, juste comme mon nom le dit. Je suis une bonne mère. Une bonne mère. Mes enfants, nous voici de retour au village. C'est un nouvel environnement. Un endroit que vous n'avez pas assez fréquenté. Mais vous devez vous adapter à tout ce que nous allons rencontrer ici. Je sais que ce ne sera pas facile pour vous. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Alors nous devons, je répète, nous devons rendre cet endroit confortable pour nous de vivre. Bikonu. Maman, nous t'avons entendu. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas changer cette situation. Donc nous devons accepter ce que la vie nous a offert. Maman, j'aimerais retourner à l'école et continuer mes études afin que je sois prêt pour le stage professionnel. Mais le problème est, je n'ai pas payé les frais de la dernière session. Et de ce fait, je devrais payer les pénalités de 10% plus le frais. Ha! Ça là, il y a un problème, hein? Ça là, c'est vraiment un vrai casse-tête. C'est vraiment un problème. Parce que cette famille est financièrement par terre maintenant. Mon inquiétude est juste que les choses ne s'améliorent pas. La preuve en est que jusqu'à maintenant, même les petits frais, tu n'as toujours pas payé. Maman, la totalité donne un montant de 480 000 naira. Choco, hein? Combien? Ça, c'est une somme importante. Ah ah! Avoir cette somme d'argent maintenant, ce n'est pas facile pour moi. Maman, nous comprenons. Mais ceci est grave. Mais nous n'aimerions pas que vous vous cassiez la tête pour ça. Je veux connaître les terrains que notre défunt père possédait. Peut-être que je peux vendre l'un et trouver l'argent pour payer ses factures. Et également chercher un business où je peux éventuellement me lancer. Nous pouvons commencer par là. Paul, tu as fait un point important. Dans ce cas, j'aurais besoin de parler avec mon neveu. Puisque vous savez que c'est lui seul qui est resté comme gestionnaire de biens que votre papa a laissé.
Pas longtemps que hier, nous vivions comme des rois. Et brusquement, nous sommes rentrés au néant. Ce sont des choses qui font vraiment peur. Mon cœur est vraiment tourmenté. Je ne sais même pas quoi faire. Ça va aller. Ça ira. Je ne sais comment, mais j'en suis certaine. Je sais qu'Elona est quelqu'un de sérieux. Nous trouverons une voie de sortie. Qu'est-ce qui est arrivé à mes fils? Chukuma et Paul, pour qu'ils commencent à se comporter de cette façon. Mon Dieu, aide-moi. Dieu. Pourquoi mes fils peuvent devenir insensibles à tout ce qui me concerne? Pourquoi cette vieille sorcière ne laisse pas mon mari tranquille? Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il ne fait qu'appeler? Qu'est-ce que je dois dire? D'accord. Je vais juste mettre ses numéros dans la liste noire, comme ça je vais oublier carrément qu'il existe. Oui, c'est ça. C'est encore quoi ces foutus numéros? Suis-je devenue aussi maligne? Quelle est cette chose que je fais de mal que j'ignore? Qu'est-ce que je fais de mal, mon Dieu? Il y a de cela 6 mois que je n'ai pas entendu de leurs nouvelles. Ils ne viennent même pas me visiter. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Dieu, c'est quoi mon péché? Pourquoi il refuse de prendre mes appels? Est-ce que je suis la plus mauvaise de mère? Hein? Y a-t-il un mal que je fais, que j'ignore? Je suis confuse. Qu'est-ce que je fais de mal, mon Dieu? Mon Dieu. Mon Dieu, fais-moi comprendre ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais comprendre quelque chose. Bébé? Salut bébé. Mon téléphone a sonné, c'est ça? Oh non chérie, c'était pas le tien, c'était le mien. J'ai entendu mon téléphone sonner. Nous avons un problème. Quelqu'un doit changer sa sonnerie. Oui, parce que ça nous cause des problèmes, non? Je ne sais pas faire la différence si c'est ton téléphone ou les miens qui sonnent. C'est pas intéressant. C'est vrai que tu as raison. Mm-hmm. Mais tu sais quoi?
C'est toi qui dois changer ta sonnerie d'appel parce que c'est toi l'homme de la maison. Cela veut dire que tu dois montrer l'exemple. Oh, on ne se livre pas un combat. Il y a quoi? Ok, tu as gagné. Je vais changer, pas de problème. Laquelle choisir maintenant? Ok, c'est fait. Ça, c'est mon mari. Je sais que tu es un homme et tu as agi en homme responsable. Je sais. Tu aimes comme ça, non? Arrête. Tu sais, chérie, je pensais aller rendre visite à ma mère. Pourquoi? Es-tu obligé d'aller la rendre visite? Pourquoi ça doit être maintenant? Chérie, il s'agit de ma mère, là. Je sais. Bébé, je sais que c'est ta mère. Mais le problème est que tu viens à peine de débuter avec ton business. Et tu n'as besoin d'aucune énergie négative tout autour de toi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et après quoi? Et après quoi? Désolée. Écoute, bébé. Tu sais combien de batailles tu as livrées pour faire asseoir ce business, chérie. N'est-ce pas? Oui. Chérie, écoute-moi. Tu dois rester très loin de ta mère. Cette femme est diabolique. Reste loin d'elle jusqu'à ce qu'on va s'assurer qu'on est assez mûr et qu'on a des ailes pour surmonter les caprices diaboliques. Ta mère est une sorcière. Tu dois rester loin d'elle. Tu m'as entendu? Donc, tu dis que je ne peux pas aller la voir? Bébé, ce que j'essaie de dire est que mon mari doit rester loin de cette sorcière qu'il appelle mère. Comment sais-tu que c'est elle? Bébé, ne te voile pas le visage. Ne sois pas étonné. Écoute, ta mère est diabolique. C'est une sorcière. La prophétie qu'on nous avait donnée n'était pas fausse. Ta mère est une sorcière, ne le vois-tu donc pas? Elle est diabolique. Et souviens-toi, à chaque fois que toi et ton frère vous essayez de l'approcher, il y a toujours un malheur qui arrive. Alors, que veux-tu d'autre comme explication? D'accord. Si tu l'as dit, chérie. D'accord, bébé. Dieu seul est mon témoin. Dieu, tu es mon témoin. Je ne suis pas une sorcière. Je n'ai rien fait de mal dans le but de ruiner l'avenir de mes enfants. Je n'ai jamais comploté ou eu de mauvaises intentions de faire de mal à qui que ce soit dans ma famille. Père, fais-le-moi comprendre. Je souffre dans mon cœur. S'il te plaît. Je suis confuse. Pourquoi mes enfants peuvent m'abandonner? Est-ce que je vais faire quelque chose de mal que je n'ai sais m'en souvenir? Qui est-ce que j'ai offensé? Où est-ce que j'étais mal parti, mon Dieu? Elena. Maman. Tu sais que depuis que je suis retournée du village avec mes enfants, nous n'avons jamais eu le temps ou l'opportunité de parler, particulièrement au sujet des propriétés ou de la terre que mon pauvre mari a laissée. Tu as raison. Et je pense vraiment que c'est une meilleure opportunité de le faire. Mon cher, mes enfants ont besoin d'argent. Il y a tout un tas de frais académiques à solder. Sinon, tu crois, Maka, ne saura faire ses examens de fin d'année pour passer à la classe montante. Et Paul,
vient juste de finir son master. Il a besoin d'argent pour commencer une business. S'il te plaît. Ça fait vraiment pitié de voir une chose pareille arriver alors que les temps sont mauvais. Mon cher, ça n'a pas été facile pour qui que ce soit. C'est pourquoi je suis venue te voir pour trouver un moyen comment rentabiliser cette terre de mon pauvre mari. Nous pouvons vendre une et avoir de l'argent pour solder les frais de ses enfants et commencer une business. Norma, tu as très bien parlé et tes intentions sont nobles. Mais il y a un problème. Quel problème? Ton pauvre mari, mon cher oncle, n'avait pas de terre avant qu'il ne meure. De quoi parles-tu? Oui, il avait absolument tout vendu. De quoi parles-tu? Puisque je ne comprends rien du tout. Mon mari m'a dit qu'il avait des terres. Beaucoup de terres alors, au village. Dans ce cas, je ne comprends rien. Oui, tu as raison. Mais quelques années avant sa mort, il était revenu au village et avait vendu toutes les terres qu'il possédait. Chaque morceau de terre. Il m'avait dit qu'il avait besoin d'argent pour acheter des actions dans une compagnie particulière. Voilà. Franchement, je suis perdue. Mon mari ne m'a rien raconté de ce genre. Et Luna, il n'a jamais mentionné de vendre une quelconque terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne l'a jamais fait. Norma, quand il était revenu au village, il m'avait parlé de ses intentions de vendre ses terres pour lui permettre d'avoir cet argent et d'acheter ses actions. Je l'avais prévenu à plusieurs reprises, mais il était tellement sûr de lui que ses actions qu'il aurait achetées seraient un vrai succès pour lui et qu'il aurait plus de terres. Elona, mon mari ne me l'a jamais dit. Es-tu sûre de ce que tu me dis? Je ne fais que vous dire la vérité. Il avait tout vendu. Hey! Je n'ai jamais été choquée comme je l'ai été aujourd'hui, quand Elena m'a dit que nous n'avions plus de terre. Maman, même moi, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Tu veux dire qu'il a dit que notre père avait vendu toutes nos terres avant sa mort? Oui, c'est ce qu'il a dit. Je lui ai posé tant de questions pour comprendre s'il disait la vérité. Elona était catégorique à ces points. C'est un menteur. Elona est un sale menteur. Je comprends les jeux qu'il essaye de jouer maintenant. Puisque notre père n'est plus, et que c'est lui la seule personne qui peut identifier ces terrains en question. Ok. Tu vois ce qu'il veut faire? C'est très bien. Maman, laisse-moi te dire une chose. Tu vois cette histoire, hein? Elona l'a monté de toutes pièces. Il a monté de toutes pièces pour que nous ne puissions pas revendiquer les terrains de notre père. Mais ça n'arrivera pas. Il a échoué. Il ne va jamais s'en sortir. Maman, laisse-moi te dire, c'était une grosse erreur d'aller voir ces menteurs-là toute seule. Mais ne t'inquiète pas, nous allons résoudre cela. Relax. Paul. Chukuma, je résoudrai ces problèmes. Oui. Paul, Chukuma, je vous en prie, nous devons aller doucement avec ces problèmes. Ne vous mettez pas à crier en premier. Je ne veux que personne ne soit au courant de ça. Nous ne devons pas entrer en confrontation avec Elona. Je ne veux pas que nous entrons dans des conflits inutiles. Je sais que c'est votre droit. Maman, nous ne battons contre personne. Mais qu'on nous... Non,
Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Je suis déjà dérangée. Nous n'allons pas nous battre contre qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est l'éclaircissement. Maman, même si on doit se battre, on se battra. Nous nous battons pour ce qui nous revient des droits. De quoi parles-tu? Être trop beau, maman, c'est pas bien. Non! Qui est Elona? C'est quoi Elona, maman? Il ne me connaît pas. Il saurait de quel bois je m'échauffe. Eh, on a d'abord. Oh oui! On a d'abord, mien. Arrête ça, maman. Paul, essaye de te parfois, calmer. Ton bon cœur là devient ta faiblesse. Tu sais ce qui se passe dans cette famille, non? Et voir quelqu'un venir manipuler les gens et prendre tous les terrains de mon père comme ça. Prenez le temps de me comprendre, Paul. Maman. C'est ça. Toi qui devais. Maman, s'il faut qu'on se batte pour prendre ce qui nous a. Maman, c'est quoi ça? Si on doit se battre pour ravir le terrain de notre propre père, je suis d'accord. Je vous supplie, s'il vous plaît. Maman, si tu ne sais pas, le combat avait déjà commencé. Que penses-tu? Maman, tu as toujours été comme ça. Être trop bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, il faut arrêter ça. Non. Les gens doivent savoir que notre père est mort, mais nous sommes vivants. Maman, si on doit se battre pour récupérer le terrain de notre père, on le fera. Calmez-vous. Non, nous allons nous battre. Calme-toi. Mais comment est-ce qu'il peut te dire que ton défunt mari n'avait pas laissé de terre? Honnêtement, Mogo, ça me dépasse. Je suis surprise. Une chose est vraie, je n'ai pas de précision sur ces terres. Mais je suis sans ignorer. Mon mari, quand il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait beaucoup de terres au village. Il ne m'a jamais dit qu'il avait vendu l'une d'elles. C'est de la gourmandise. Et c'est mon bébé. Mais je n'avais jamais su qu'elle en était comme ça. C'est depuis quand qu'il a changé? C'est ça même, hein? Ah. Moi de même, je n'ai pas connu Elona comme une mauvaise personne. Mais je ne sais pas pourquoi il a les intentions de s'accaparer de ce qui est à moi. Ça m'étonne qu'il change ainsi. D'accord. Alors pourquoi ne laisses-tu pas Paul et Chukum aller le voir? Je veux dire, laisse-les discuter d'homme à homme. Tu sais comment les hommes solvent les problèmes. Ils sont déjà en train d'aller chez lui pour ces mêmes problèmes. C'est quoi ce problème qu'il nous veut encore? Parfait. Fazo, Coco, c'est rien que comme ça qu'il va s'ouvrir et leur dire la vérité. Je ne sais pas. Oh. Je ne suis pas du tout confortable dans ces problèmes. Ce n'est pas bien ça. Je peux me rappeler bien que mon mari a des terres. Pas une seule, mais beaucoup. Beaucoup alors. Mais en tout cas, c'est pas juste. Ah. Et il est en train de dire que mon mari l'avait vendu et lui a donné l'argent pour acheter je il ne sais cache pas quelque quoi. Chose. Quel homme vous n'aimez? C'est pas clair cette affaire. Oh, certainement il y a Angouille sur Roche. Il peut dire tout ce qu'il veut, il cache quelque chose. La même histoire, maman. Je veux dire, ça me dépasse complètement. Comment papa peut nous faire ça? Notre père n'a même pas tenu compte des jours où il pleut. Avant qu'il se mette à tout vendre. Attendez un peu. Comment confirmer que ce que Elona est en train de dire est la vérité? Ça, c'est une bonne observation. Parce que je n'ai jamais vu un document qui atteste la vente d'un terrain dans cette maison. Maman, avant qu'on aille voir Elona, j'ai cherché partout dans cette maison. Je n'ai vu aucun document en rapport avec le terrain. Je n'ai rien vu. Ce qui veut dire que même si Elona est en train de mentir, nous ne pouvons pas le prouver. C'est ça même le problème. Alors qu'allons-nous faire? Maman, je ne sais pas. Mais la situation en mer rend les choses encore plus difficiles. Ce ne sera pas facile à résoudre pour nous. Au moins, vous l'ici. Aïe! Hey! Pourquoi les gens me traitent de cette façon? Pourquoi? Odema, si Paul ne veut pas me parler,
Choco, moi, ne le fera pas. Sœurette? Sœurette, le téléphone sonne. Oui? Oh. Chérie. Chérie, le téléphone sonne. Chérie, ta maman t'appelle, très vite. Ton téléphone sonne. Hein? Je n'aimerais pas parler à cette vieille femme. Que veux-tu dire par là? Ta maman t'appelle et tu me dis si c'est... Tu m'as bien entendu. Je ne voudrais pas parler à cette femme. En fait, je pars quelque part pour acheter un truc. Voudras-tu que je te trouve un truc? Je vais bien. Je n'ai besoin de rien. Es-tu sûr? Je vais bien. Je ne comprends pas ce qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il ne... Je veux dire, il ne prend pas les appels de sa mère. C'est très étrange. Pourquoi ne répond-il pas à l'appel de sa mère? Chose étonnante est que elle a coupé les contacts avec cette femme. Peux-tu imaginer? Je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'un enfant devrait oublier la femme qui lui a donné la vie? Je suis sérieusement confuse. En fait, je suis surprise. Pardon. Laisse-moi finir, s'il te plaît. En tout cas, vas-y, vite, dépêche-toi. Oh, Dieu des cieux. Es-tu toujours là? Est-ce que tu vois ce qui se passe? En toute honnêteté, j'ai toujours été une bonne mère pour mes enfants. J'ai travaillé durement pour eux. Pourquoi ils se sont décidés de me traiter ainsi? Père. Pourquoi ce sont mes enfants et pas d'autres personnes? Le seul espoir que j'ai... Sauve-moi. Oh, Dima. Oh, Dima. Mon Dieu, je te prie, ne me laisse pas dans cette confusion. Rallume encore l'amour dans les cœurs de mes enfants pour moi. Pourquoi ce monde est méchant? Omegua, ma sœur. Pourquoi le monde est méchant? Les gens qui sont dans le monde sont si méchants. D'accord. Pourquoi quelqu'un qui voit clair le genre des galères que tu traverses avec ta famille décide de te faire ça à la place de réduire ta souffrance? Pourquoi? Si tu me demandes, à qui je vais aller demander à mon tour? Oh, je pense que je dois aller personnellement voir Elona. Ce qu'il fait n'est pas juste. Pas besoin de ça. Je l'ai déjà fait. Mes fils l'ont fait aussi. Le jeune homme ne fait que faire la tête. Qu'est-ce que tu veux encore? Ne vois-tu pas que là, ça devient notre problème? Mais dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose comme preuve qui pourrait certifier ce qu'il raconte? Est-ce que je blâme Elona? Non. Omogo, je ne blâme pas Elona. Plutôt, c'est mon mari que je blâme. Mon pauvre mari qui ne m'a jamais mis au parfum de toutes ces choses. Alors, que voulez-vous? Oh non, ma. Arrête de condamner le mort. Il n'est pas présent pour se défendre. C'est la raison pour laquelle je ne vais plus parler de ces sujets encore avec Elona. Ok, alors dans ce cas, je crois que j'irai voir Elona moi-même. Tu perds ton temps. Crois-moi. Comme tu veux.
Je dois dire que je suis surpris de te voir ici aujourd'hui. Parce que tu n'es pas une visiteuse régulière. J'espère que tout va bien. Y a-t-il un problème? Tout va bien. Détends-toi. Je suis venue ici pour Unoma, la femme de ton défunt oncle. Noma, j'espère que tout va très bien avec non, elle. Non, elle va bien. Tout va bien. Elle m'a parlé d'un problème concernant les terres. Je t'arrête tout de suite. Normalement, je ne devrais pas parler de ceci avec toi. Mais je dois être ouvert avec toi de la même façon dont je l'ai été avec eux. Tu comprends? Oui. Parce que je n'ai rien à cacher du tout. Je te dirai exactement ce que je leur ai dit quand ils sont venus ici. Une année avant que mon oncle ne meure, il avait vendu chaque morceau de terre qu'il avait. Vraiment? Et sa femme n'était pas informée? Cela m'a également inquiété de l'entendre de Noma, qu'elle n'est pas au courant de ses transactions. Je ne sais pas pourquoi elle a fait tout ça, mais tu sais, les morts ne peuvent pas parler. Mais pourquoi quelqu'un peut faire ce genre de choses? Sérieusement, je ne puis le dire. Je t'avais prévenu qu'il n'y aura rien de différence en allant le voir. Je voulais l'entendre de lui-même. Mais partant de notre conversation, je ne crois pas qu'il ment. Je crois, Elona. S'il y avait une quelconque terre, il s'en approprierait pas. Oh, mais ma crainte est que... Comment vas-tu te débrouiller avec ses enfants? C'est ça ma plus grande inquiétude. Comment survivons-nous? Eh ben, la seule chose qui est irréversible, c'est la mort. Ils ne sont pas morts, nous sommes en vie. Donc il y a de l'espoir. Tu as raison. Je pensais à te remettre quelques ignames pour que vous les plantiez derrière la maison. Et prions Dieu pour que ça pousse normalement. Et le reste laissons entre les mains de Dieu. Merci ma chère. Je t'en prie. Tamorama suggérait la même chose. Tu vois? J'ai raison. S'il te plaît, est-ce qu'elle est à la maison pour qu'elle vienne le récupérer chez moi? Tamara! Tama! Maman! Viens! Maman, je suis là. Tantine, bon après-midi. Bon après-midi. Cadeau? Adé, je vais bien. Souviens-toi, tu m'as suggéré de faire un chant derrière la maison. Elle m'a dit la même chose. Ah! Oh. Et elle va nous donner quelques semences à mettre à terre. Ah, merci. Alors, je veux que tu ailles avec elle, chez elle à la maison pour la voir. Ok. Oui. D'accord, on y va. Merci, hein. Merci. Noma, je sais que tu es bien la femme de mon défunt oncle. Depuis que tu es venue dans cette famille, cela date. Tu peux très bien témoigner que je ne suis pas une mauvaise personne ou quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas en réalité. Oui, je sais. Je sais que tu es une bonne personne. Je te crois. Bien, je t'ai appelé pour ce qui s'est passé entre nous ces temps-ci. Toute chose que je t'ai dite à propos de mon oncle n'est rien d'autre que la vérité. Elona, je te crois. S'il avait encore des terres, tu me les dirais. C'est vrai. Mon pauvre oncle avait tout vendu. Il m'avait dit qu'il voulait acheter des actions dans une compagnie. Et il ne m'avait jamais mentionné le nom de cette compagnie. Ça, c'est ce qui rend encore les choses plus difficiles. Comment faire pour trouver ces actions afin de nous partager des pourcentages? Comment? Ça, je ne sais pas où. Mais je prie pour que nous n'ayons pas entièrement tout perdu. Je me souviens que tu m'avais parlé du problème de Chukuma à l'école. Oui, c'est ça le problème auquel nous faisons face maintenant.
Bien. Je ne possède pas vraiment une montagne d'argent. J'ai juste 200 000 naira. Et je te le donnerai. Hein? Elona, tu peux faire ça pour moi? Oui. C'est le petit business que j'ai pu faire avec l'argent que mon frère Donald m'avait envoyé du Canada. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénira, Amen. Toi et Donald. Amen. Merci. Ça va aller. Hey! Bien. Choco! Ah. Oh, Dieu de cieux. Si j'étais offensée quelque part. Biko. Pardonne-moi. Biko, Choukou, moi le monde est bel. Oh mon Dieu, ne me laisse pas, viens mon aide, s'il te plaît. Toi, les maris de veuve. Mais le nom est bel, Biko, nous quelqu'un qui se balade comme. Aïe. Choukou. Maman? Oui? Tu pleures, maman. Non, mon fils. Je suis pas en train de pleurer. Je ne pleure pas, mon fils. Mais je t'ai vu en train de pleurer et tu as juste essuyé tes larmes. Regarde, je ne pleure pas. Je veux très bien. Tout va bien. Viens ici. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu sais que moi, je t'aime, non? Et je ne veux pas que tu pleures. Et moi, je t'aime aussi. Énormément. Viens, mon fils. Tamara. Nem. Maintenant que les choses se sont tournées ainsi, je n'aimerais pas que tu restes souffrir avec nous ici au village. Tu es une bonne fille. J'ai commencé à t'aimer comme ma fille. Ma chère, je te conseillerais de rentrer chez toi, dans ta famille. Certainement, tu trouveras le bonheur là-bas. Maman, que j'aille où? Où veux-tu que j'aille? Maman, tu es très bien, mon égard. Pourquoi veux-tu que je te quitte juste comme ça? Je ne connais pas encore le problème que tu peux rencontrer ici au village. Nous avons pratiquement tout perdu. Ça sera dur pour nous ici. Je ne veux pas que tu... Maman, s'il te plaît, ne me demande pas de partir. S'il te plaît, je veux rester ici avec toi. Je veux te servir. Je ne suis pas fatiguée. Maman, s'il te plaît, laisse-moi souffrir avec toi. S'il te plaît, restons toujours cette famille unie que nous sommes. Maman, je t'en prie. Je t'ai entendu. Je n'ai pas envie de partir. Es-tu sûre? D'accord, j'ai compris. S'il te plaît, n'ose plus jamais me dire ce genre de choses parce que je ne partirai pas d'ici. S'il te plaît. Maman, je t'en prie. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi énormément, mon fils. Je t'aime. Je
Ok, à première vue, c'est pas mauvais. Par contre, c'est intéressant. Et j'aimerais connaître les modalités. Il n'y a absolument rien de difficile là. Tout ce qu'on peut faire à ce niveau est de financer les projets en Allemagne. Et dans 3 mois, ils nous enverront les produits au Nigeria. Nous les vendons et nous avons notre argent. Tes amis qui sont en Allemagne, tu es confiant? Leur fais-tu confiance? Je les ai connus il y a un temps maintenant. Et même la dernière fois que j'ai visité l'Allemagne, je les avais rencontrés tous les trois. Ah oui, je leur fais confiance. Je les connais très bien. Ok. Si tel est le cas, je n'ai pas de problème. Alors donc, nous devons commencer à préparer le paiement, même demain. Nous devons commencer tôt parce que je pense que plus tôt on commence, mieux ça sera. Dans ce cas, il faudra juste que je les contacte ce soir et que j'ai leurs détails de paiement. Et à partir de demain, nous allons procéder avec ce qui reste. Ok, ça marche. Une chose de plus, avant que je n'oublie, maman a appelé toute cette semaine. Cette femme m'a aussi beaucoup dérangé. Je ne sais pas tellement ce qu'elle veut. Cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Elle veut nous voir, je présume. Bien. Je suis occupé. Nous sommes occupés. Si nous avons du temps lors des vacances de Noël, peut-être que on pourra aller la voir. Tu sais, je comptais aller là-bas le week-end pour la voir. J'étais sur le point d'y aller jusqu'à ce que ma femme me rappelle que maintenant là, je ne peux pas faire ce genre de déplacement. Le business vient de commencer, donc je dois être là présent. Elle a raison. Elle a parfaitement raison. Le business est encore au début et nous devons nous concentrer pour les construire d'abord. Et à ce moment, nous n'avons pas besoin de distractions. Tu comprends? Ok. Ok, je pense que tu as raison. Très bien. Maman, oui. Arrête de pleurer. Tu vas aller mieux. Oui. Tout ira bien. Tout ira bien, mon fils. Mais maman. Oui. Je veux te poser cette question. Quelle question, mon fils? Qui est mon père? Réponds-moi non, maman. Qui est-il? Mon fils. On en a déjà parlé, mon fils. Je t'ai déjà répondu à cette question. C'est quoi ça? Non, maman! Mes amis à l'école rient toujours de moi. Maman, s'il te plaît, dis-moi qui est mon père. Mes amis à l'école, ils rient toujours de moi. Maman, s'il te plaît, dis-moi. Je t'en prie. Bien, comme je l'avais dit. Ton père n'était pas un bon homme. Il n'était pas bon. Alors au moment où je t'avais mis... Mort ? Pourquoi était-il mort ? Pourquoi ? Pourquoi il était mort, maman ? Pourquoi était-il mort alors que moi j'étais encore là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! Mon fils, s'il te plaît, Alors, comment va ton mari? Ma chère, il va bien. Je l'ai laissé à la maison. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Il adore rester à la maison. Sérieusement, ça commence à m'ennuyer. Très ennuyant. Je m'imagine.
Il est semblable avec son frère. Mais son frère, quelquefois, il sort. Oh, oh. Désolée, ça me revient. J'avais même oublié de te poser la question. Quoi? Est-ce qu'il est là? Ah, non, pas maintenant, il n'est pas là. Il doit être avec son frère maintenant, parce qu'il est sorti 5 minutes avant ton arrivée. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. Je me suis rappelée. Notre mère avait appelé et Chukwu m'avait refusé de lui répondre. Et tu les condamnes? Tu veux condamner ton mari pour ne pas avoir causé avec sa mère? Sincèrement, Natacha, il y a un truc chez cette vieille femme que je ne digère pas. Je ne l'aime pas. Frida, écoute, nous parlons de notre belle-mère. Bien sûr que je le sais. Je sais que nous sommes en train de parler de notre belle-mère, plus précisément ta belle-mère. Mais il y a quelque chose chez cette femme du genre une énergie négative que je ne supporte pas. Natacha, je ne sais pas trop, mais je la déteste. Frida, je veux dire, c'est quoi réellement le problème? J'aimerais savoir, je suis curieuse. Pourquoi est-ce que tu hais cette femme avec beaucoup de passion? Je te pose la question. Tout simplement parce que c'est une sorcière. Frida! Quoi? Tu m'as entendu, c'est une sorcière. Les gens sont devenus vraiment sans cœur. Qui pouvait croire que mon propre fils, ma propre chair et os, vont tourner leur cœur contre moi? J'ai examiné mon âme. J'ai même fouillé dans mon passé. Et je n'ai rien vu. En aucun cas, j'ai offensé Chukwuma et Paul. Les voilà. Ils se sont levés contre moi. Ils m'ont tourné le dos. Bon après-midi à vous, madame. Docteur. Oui, madame. Bienvenue. Merci. S'il te plaît, prends place. Ngwam, désolée de te stresser. Pas du tout, madame. Vous ne m'avez pas stressé. Je vais d'abord vous prélever votre tension, en fait. Permettez. Docteur, c'est comment? Madame, votre tension est vraiment très élevée. À quoi pensez-vous? Madame, vous pleurez? Hein? Promesse.
Tu dois cesser de penser à propos. Tu t'es fait du mal lorsque tu fais ce genre de choses. Mais mon père me manque, maman. Je sais. Et je sais combien qu'est-ce que ça fait mal. Mais il est parti et c'est pour du bon. Je suis là. Tu es à moi. Ok, maman. Mais est-ce que j'ai un grand-père ou une grande-mère? Maman, quelqu'un entend de frapper à la porte. Ok, je vais un peu voir. Ok, maman. Ah, tu es là? Oui, comment vas-tu? Je vais bien. Ok. Approche. Ah, Promesse, comment vas-tu? Je vais bien. Promesse, va dans ta chambre. Ok, maman. Bienvenue. Tu vas bien? Parce que tu m'as l'air mécontente. Je vais bien. Tu es sûre? Oui. Parce que ton apparence me dit totalement le contraire de ce que tu dis. Alors, parle-moi, qui a-t-il? Allez ma chère, parle-moi, qui a-t-il? Allez, regarde. Écoute, parle-moi, qu'est-ce qui te dérange? Madame, je vous aurais recommandé de venir à l'hôpital. De cette façon, vous seriez proche de moi pour avoir les meilleurs soins médicaux dont vous avez besoin. Docteur, je ne veux pas être hospitalisée. Je veux rester à la maison. Tu vas commencer à venir me traiter ici. Je paierai pour ces traitements à domicile. Hein? Mais madame, ce que j'essaie de dire Docteur est que... Docteur Joe... Je comprends ce que tu dis. Ne te dérange pas. Tu viendras me traiter ici. Ne te dérange pas pour ça. Je prendrai tout en charge. D'accord. Si c'est ce que vous désirez, je serai disponible pour vous surveiller à chaque fois. C'est très gentil de ta part. Merci. Il n'y a pas de problème. Tamara, tu es une femme de vertu. Tu as un bon cœur. Mais Tamara, j'essaie juste de faire de mon mieux. Arrête juste de me rejeter, ma belle. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Oh, Job. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas seulement prête pour tout ça. Je crois qu'on doit aller petit à petit, faire une étape à une autre. Aller petit à petit? Tamara, on se connaît depuis 3 ans. Tu me traites toujours comme un étranger et après 3 ans, tu veux toujours qu'on aille petit à petit. Tu n'es pas un étranger pour moi. Je veux juste que... Écoute, Tamara. Tamara, écoute. Je n'ai plus besoin d'être ton amie à présent. Je ne veux plus que les choses aillent de cette façon-là. Tamara, je veux faire de toi ma femme. Tamara, je veux t'aider à avoir de l'argent. Et te transformer en une femme de qualité. Tamara, je veux passer le restant de ma vie avec toi. Tamara, je t'en prie. Donne-moi juste une chance, t'en prie. Baby, regarde-moi. Nem, tu vas bien? Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma chère, bienvenue. Merci. Comment vont tes enfants et ton mari? Ils vont bien. Gloire à Dieu. Ma sœur, j'étais inquiète me demandant pourquoi tu ne venais pas me voir tout ce temps. Ma chère, ne te dérange pas pour moi. J'étais très occupée à la ferme. Tu sais que c'est la saison de semences. Je sais. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu puisque tu es en forme. C'est l'essentiel. Oui. Dieu merci pour sa miséricorde. Amen. Mais je ne crois pas que je dirais la même chose pour toi.
tu n'as pas l'air bien. J'ai l'impression que ça ne va pas. Wanem, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en forme. Vraiment? Tamara, je veux te faire une promesse solennelle maintenant et en ce moment même. Je prendrai personnellement soin de toi et de ton fils, promesse. Job, tu es un homme bon, je le sais, mais les choses ne sont pas semblables. Comment vais-je pouvoir t'aider si tu ne me racontes pas ce que tu traverses? Comment? Je ne sais même pas ce qui se passe. Parle-moi. Tu ne vas pas comprendre. Tant de choses se sont passées et... Écoute, Tamara. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Oui, que ça reste dans le passé. C'est là que ça place. Je m'en fous et ça ne me dérange pas. Le passé? Oui. C'est le passé, mais c'est encore frais. C'est tellement frais que c'est comme si ça s'est fait seulement hier. Tamara, viens. Tamara, c'est pourquoi je suis là. Laisse-moi être ton soutien personnel. Tamara, laisse-moi porter tes fardeaux, je t'en prie. S'il te plaît. Ma sœur chérie, j'ai l'impression que tout le monde m'a rejetée. On dirait que j'avais commis une quelconque abomination. Et plus personne ne veut s'associer encore avec moi. Non, ma. Arrête de parler ainsi. Tu sais que c'est pas vrai. Dis-moi où sont passés mes enfants. Où sont mes fils? Où sont-ils? Je ne comprends pas. Ont-ils disparu? Est-ce que quelque chose de mal leur est arrivé? Anego, ma sœur. Mes enfants ne veulent plus de moi. Hein? Que je vive ou que je meure, ça ne leur dit absolument rien. Oh Morgan, ça fait déjà presque une année. Quand je les appelle, ils ne répondent pas à mes appels. Es-tu sérieuse? Mais comment peuvent-ils agir ainsi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Ma chère sœur, le docteur vient de partir à peine. Ma peur a été confirmée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma très chère sœur. Onego Wanem. Je suis malade. Mon Dieu. Je suis en train de mourir. J'ai pitié de ma vie. Oui, je t'écoute. Bien, moi, j'ai pas de problème. On peut toujours faire passer les paiements, même maintenant. Je veux juste que le contrat soit là à temps. C'est tout ce dont j'ai besoin. Salut chérie. Ok. Puis-je te rappeler, s'il te plaît? Ok, donne-moi 10 minutes. Ok. Salut bébé. Bébé, je voulais te dire quelque chose. Ok, vas-y. J'aimerais aller rendre visite à ma mère. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et elle n'a plus rien à la maison.
Je dois lui apporter quelques histoires. Ok, c'est bon. Ce n'est pas un problème. Alors, tu veux quand? Bébé, c'est comme je le disais, je dois d'abord acheter des histoires avant d'aller lui rendre visite. Ok, je vois. Dans ce cas, va prendre ma carte bancaire, ok? Et retire l'argent qui t'aidera à pouvoir acheter tout ce que tu vas acheter pour elle. Ok. Et tu me diras quand est-ce que tu veux aller la voir. Merci. Je t'en prie. Merci, chérie. Bébé, est-ce qu'on peut également rendre visite à ma mère? Non, chérie. Bébé, nous ne pouvons pas aller voir ta mère. Bébé, tu te rappelles que j'avais fait un rêve étrange la fois dernière, n'est-ce pas? Oui. Ta mère est une sorcière. Oui, elle est une vraie sorcière. Tu dois rester loin d'elle et te focaliser dans ton business. C'est la chose la plus importante pour l'instant. Donc, tu n'iras pas te jeter dans la gueule du loup. Ok. Ok, si tu l'as dit. C'est parce que je le sais, chérie. Je le sais, bébé. Reste loin de ta mère, dès maintenant. Tout ce que tu dis, ça me va. Merci. Je t'aime, bébé. Donc, je peux prendre ta carte directement? Oh oui. Prends n'importe quelle somme, bébé. Mon argent est ton argent. Il faut prendre soin de sa femme, c'est bien. Ma mère sorcière. Oh mon gars. Le docteur Joe a dit que mes reins commencent à s'endommager. Maintenant que je te parle, c'est confirmé. Tu dis quoi? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Ma sœur, si c'est par quoi je passe. J'ai besoin d'une urgence intervention chirurgicale. Je dois faire un greffage de rein et pour ça j'ai besoin d'un donateur. Oh non, attends. On y va doucement. Cela va nous coûter beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire à propos? Oh non, ma sœur, l'argent n'est pas le problème ici. Je veux que tu m'aides. Aide-moi en appelant mes enfants. Biko, dites-leur que je suis en train de mourir et que je dois me faire opérer urgentement pour le greffage de rein et que pour ça j'ai besoin d'un donateur. Biko, aide-moi à les joindre. D'accord. Maman, qui est-elle? Tu parles de qui? La femme sur la photo. Maman, est-elle ma grand-mère? Hey, salut Promesse. Je pensais que tu dormais. Oui, je viens à peine me réveiller. Je ne savais pas que tu étais parti. Oui, je devrais livrer quelque chose à quelqu'un. Ok. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu en es sûr? Très très sûr. Oui, ça va. Ok. Vous savez quoi? Je réfléchissais et je me disais que nous trois, on pourrait sortir juste pour aller s'amuser. Waouh! Mais c'est génial ça! Oncle, je veux de la crème glacée. Alors, qu'en dis-tu? Nous n'allons pas sortir. Tamara, écoute, tu as trop été enfermée. Essaie juste de te défouler. Allons nous amuser. Hein? Fais-le pour moi. Oui, maman. J'ai besoin de sortir un peu, moi. Allez. Maman. Pourquoi m'appelle-t-elle maintenant?
Pourquoi m'appelle-t-elle? Allô? Oui, qu'est-ce que tu dis? Oui, je vais bien. Oui, elle va aussi bien. Quoi? Ma mère, es-tu sérieuse? Ok, laisse-moi voir ce que je peux faire. Ok, ok. J'espère au moins que tu sais que tu n'iras nulle part. Chérie, ma mère est par terre. Elle a un sérieux problème des reins. Uh-huh. Et elle a besoin d'une transplantation vite. Et alors? Dis-moi, es-tu docteur? Est-ce toi le docteur qui est censé faire la transplantation? Non, mais il s'agit de ma mère. Je dois être là pour voir. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu ne feras absolument rien. Si ta mère est malade pour de vrai, que la personne qui t'a appelé la conduise à l'hôpital. Eh, qu'est-ce que tu dis? Ok. Pas de problème. Frérot, ton téléphone sonne. Je ne suis ni sourd, ni aveugle. Désolé, hein. Ton téléphone est en train de sonner. Et tu fais semblant comme si de rien n'était. Qui est cette tante Omogo? Elle est ma tante. Sûrement c'est ma mère qui lui a demandé de m'appeler. Mais réponds-lui. Chukuma, tu peux pas ignorer ta mère pour toujours. Je ne veux juste pas lui parler. Mais elle a commencé à t'appeler, ça fait des semaines maintenant. Ne peux-tu même pas un peu l'écouter? Je croyais que tu étais occupée à la cuisine. Ce que je fais dans la cuisine n'a rien à voir avec répondre aux appels de ta mère. Laisse-moi tranquille. Que je te laisse tranquille, c'est ça? Que je te laisse tranquille. Tu m'as bien entendu. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout bien. Oui, allô? D'accord. Paul m'avait dit qu'il allait rappeler. Il ne l'a pas fait. Chukuma ne décroche même pas l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Onogo, maintenant tu peux voir et confirmer ce que je t'ai dit. On m'aide. Non, moi, cette histoire commence à me troubler. Oh, Joko. Ok. Je crois que ce que je dois faire, c'est te conduire à l'hôpital. Pour enfin trouver un donneur. Oh, mon go. Je ne vais pas me rendre dans un hôpital quelconque. Je veux rester ici à la maison. C'est ce que j'ai dit au docteur Joe. T'inquiète.
Docteur Joe sera en train de venir ici. J'y trouverai un donateur. Je le surmonterai. Ce n'est pas bien ça. Comment est-ce que Paul et Chukuma, même leurs femmes, ne viennent pas te rendre visite? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? La dernière fois que je les ai vus, c'était quand Chukuma avait épousé Natacha. Ne te dérange pas. Je finirai par trouver un donateur. Je passerai mon opération. Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu dans cet état? Ma mère. Elle est toujours ma mère. Et nous ne pouvons pas nous permettre de mettre ta vie en danger, bébé. Ta vie ainsi que tes affaires. On ne peut quand même pas ignorer ce qui s'était produit dans le passé et mettre ta vie en péril ainsi que les affaires. Chérie, je dois vraiment la voir. Si elle est malade à ce point, donc elle a besoin de moi. Crois-moi. Crois ce que je t'ai dit, ta mère n'est pas malade. Elle va très bien. Ça, c'est encore l'un de ses stratagèmes pour te ramener à la maison, afin de te lancer un autre sort. Pour l'amour du ciel, chérie, n'oublie pas que cela a été prouvé, que ta mère est une sorcière. Tu dois rester loin de cette femme. Alors, si quelque chose lui arrivait, alors si... Et si alors tu mourrais? Oui. Et si elle te tue finalement? Oui. Et si tu meurs? Et tu feras en sorte que je devienne une veuve? Je ne te laisserai aller nulle non. part. Non. Ma mère ne peut pas me tuer. Elle le fera pourquoi? Je suis son fils, je suis quand même son garçon. Honnêtement, je vois que tu ne comprends pas comment marche la sorcellerie. Tu n'as aucune idée de comment opèrent ces gens. Ils n'ont aucune notion sur les liens du sang. Les liens du sang ne disent absolument rien à ces gens. Donc tu veux te rendre chez elles pour qu'elles te tuent. C'est ce que tu veux? Désolée, je ne te laisserai aller nulle part. Tu dois rester loin de ta mère. Ça va aller. Éloigne-toi de cette femme. Bébé, la nourriture est prête. Je mangerai plus tard. Je ne suis pas tellement sûr d'avoir l'appétit maintenant. C'est la raison qui montre que tu n'as pas encore fini ce dossier. C'est ce qui t'a fait ça, chérie, c'est quoi? De quoi exactement es-tu en train de parler? Bébé, tu dois l'appeler pour connaître la raison de ses appels. Peut-être qu'elle est malade ou je ne... Ne recommence pas, s'il te plaît. Pas ça, je t'en prie. S'il te plaît. Rappelle-toi que tu m'avais dit combien cette femme avait tant souffert jour comme nuit pour te mettre ainsi que ton frère dans des bonnes conditions.
Mais pourquoi ces changements soudains? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir. Je ne souhaite plus parler de ça. Pas du tout. Écoute ce que tu dis. Si ça ne te pose aucun problème. Juste, laisse-moi tranquille. Chérie, ta propre mère, Chukuma, elle est ta mère, oh. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe réellement? Cette femme a tant souffert pour eux. Désolée, ça va aller. Ça va. Merci. Que voudras-tu manger pour que je le prépare pour toi? Ne te dérange pas, je n'ai pas d'appétit pour manger quoi que ce non. soit. Tu dois manger quelque chose. Sinon, comment tu vas prendre le médicament? Amogo, ma soeur. Je n'ai pas envie de manger. D'accord, mais tu dois manger quelque chose, ne serait-ce qu'un peu. Amogo, Anem. J'ai dit que je n'ai pas envie de manger. Comment peux-tu dire que tu n'as pas envie de manger? Ça va aller. Allez, ça va. Le docteur est là. Docteur? Madame. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. Bienvenue. Madame Paul, avez-vous mangé quelque chose ce matin? Elle n'a rien mangé depuis le matin. C'est exactement de ça qu'on discutait avant que tu n'arrives. Elle refuse. Non. Vous devez manger quelque chose. Que pouvez-vous lui faire à manger? Mais, que voudras-tu manger? J'ai une pepper soup à la cuisine, avec les riz. Je peux essayer de manger ça. C'est pas grave, l'essentiel est que tu manges quelque chose, attends que je te l'apporte. Okay. Alors, merci. Hein. Mais, Madame Paul, je suggère encore que nous vous emmenions à l'hôpital. Parce que vous devez être proche des infirmières. Docteur, non. Je ne veux pas être hospitalisée. Je veux rester ici jusqu'à ce que mes fils viennent me voir. Biko, oh, ils vont me trouver ici. Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'étais juste... Tu étais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec mon téléphone? J'ai cherché le numéro de ta mère. Je veux la contacter moi-même et savoir qu'est-ce qui ne va pas avec elle. Tu te moques de ma patience. Tu n'as pas de droit, pour quelle raison que ce soit, de fouiner dans mon téléphone et n'ose plus jamais le faire prochainement. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Vas-y, dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que votre mère vous a fait pour que vous la haïssiez de la sorte? Ma mère est une sorcière. Sorcière! Je ne fais que me protéger contre sa sorcellerie. C'est sérieux? Ta mère est une sorcière? Chukuma,
Est-ce que tu as bien entendu les stupidités que tu as sorties? Hey, n'ose plus jamais me traiter de stupide, ok? Ne considère pas ma douceur comme étant un point faible, ok? Et mon amour pour toi. Si tu oses le faire prochainement, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Tamara, à ce stade, je veux que tu sois honnête avec moi. Hein? Je ne sais pas trop. Juste dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore? Souhaites-tu toujours me voir autour de toi? Là, je suis confus, je ne vois rien. Fais-moi savoir. C'est tout. Apprécies-tu toujours le fait de me voir? Oh, Joe, ce n'est pas ce que tu viens de dire. Ok. J'ai beaucoup de choses que je dois d'abord finir avant de m'engager à une autre relation, hein? Ok, c'est d'accord. Quelles sont ces choses? C'est quoi ça, Joe? Ne t'attends pas à ce que je te dise tout. Sérieux? Tamara, je suis confus. Sais-tu pourquoi? Hein? Tu dis une chose alors que ton visage en dit une autre. Tamara, regarde-moi. Si réellement tu m'aimes, comme tu le prétends, tu ne devrais pas me garder certains secrets. Je suis comme un livre ouvert pour toi. Mais pour toi, je ne puis en dire autant parce que je te connais même pas. Je ne te connais pas assez. Oh, s'il te plaît. Arrête un peu ça. Sérieux. S'il te plaît. Je t'en prie. Santé. Bébé? Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ma mère, je ne sais pas ce qui lui arrive maintenant. Bébé, je peux te le confirmer que ta mère va bien. Rien ne lui est arrivé, crois-moi. Oui, elle va bien. Tu ne peux pas en être sûr. Tu ne peux pas être ici et conclure sur ce qui se passe là-bas. Écoute, je ne veux plus jamais te laisser aller voir cette femme. Jamais. Plus jamais. Hey. Je suis complètement perdu. Je suis perdu. Je ne sais quoi faire. Ne sois pas confus, chérie. Je sais exactement ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Je veux juste que tu te détendes et me laisser t'annoncer la bonne nouvelle qui va illuminer ton âme. Bonne nouvelle? Oui. Ok, je t'écoute. D'accord, monsieur Paul. Ta femme est... est enceinte. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Elle est. Es-tu sérieuse? Non, 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 non. Dis-moi la vérité. Bébé. Es-tu sérieuse? Et tu ne m'as jamais dit pourquoi? Eh ben, j'aurais dû t'en parler depuis. D'ailleurs, j'allais t'en parler. Mais tu étais très préoccupée par les affaires de cette sorcière. Oh, désolé, bébé. Je suis vraiment désolé. Bébé, je suis désolé. Honnêtement, je suis désolé. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Je suis tellement fier de toi. Merci. Je t'avais dit que cette nouvelle allait illuminer ton âme. Oh oui, en effet. Honnêtement, d'ailleurs, cette nouvelle m'a transporté dans un monde de bonheur. Oh oui, je t'ai dit, bébé, viens par ici.
Omogo. Nem. Je vais te poser une question. J'ai besoin que tu sois honnête envers moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Omogo, tu as toujours été avec moi depuis que je suis entrée dans ces mariages. Suis-je ou ai-je été une mauvaise personne? Non, Noma. Tu fais partie des bonnes personnes que nous avons dans cette communauté. Tu es parmi les rares bonnes personnes que je connais. Tu n'es pas une mauvaise. Laisse-moi te poser encore une question. D'accord. Suis-je ou ai-je été une mauvaise mère pour mes enfants? Tu es une mère merveilleuse. Pas seulement pour tes enfants, mais pour tous les enfants. Alors, pourquoi mes enfants m'ont abandonné? Qu'est-ce que je fais de mal? Je n'ai pas de réponse à ta question. Cette histoire m'étonne. Mais pourquoi est-ce qu'ils te traitent de cette façon? Hein? Oh, mon goût, ma soeur. Je suis en train de mourir dans la douleur. Je souhaite connaître mon enfance. Je souhaite faire face à mes sens. Tu n'as rien fait de mal. J'aurais souhaité rencontrer mes sens. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu n'as rien fait. Mon homme, tu ne mérites pas être traité de cette façon. Après tout ce que tu as traversé. C'est bon, c'est bon. Pourquoi je suis abandonnée? Pourquoi? Arrête ça. Pourquoi mes propres enfants peuvent me laisser dans cette souffrance de la vie? Arrête. Pourquoi? Arrête ça. Pourquoi? Ça va. Pourquoi ils se sont décidés de m'abandonner? Calme-toi. D'abord, c'était mon mari. Et puis maintenant, ce sont mes fils. Si je ne suis pas une mauvaise personne, alors pourquoi tout le monde m'abandonne? Arrête de parler comme ça. Ne dis pas Dieu, ça. Je te prie, reviens-moi, mon offense. Ça va aller. Mais n'aide pas. Tout ira bien. C'est bon, tu n'es pas une mauvaise personne. Oh, docteur, tu es déjà là? Oui. Vous savez, ce n'était pas difficile pour moi de trouver les médicaments que j'étais allé chercher. Alors, comment va-t-elle? Elle ne va pas bien. Je ne sais pas ce qui est plus terrifiant, si c'est sa maladie ou soit l'absence de ses enfants. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un enfant pourrait abandonner sa mère? Je suis vraiment choquée par le comportement de Paul et Chukuma. Je n'avais jamais rêvé, même dans mes pires cauchemars, qu'ils pouvaient traiter leur mère de cette façon. C'est mauvais. Tout ceci n'est vraiment pas bien du tout. Et elle n'a pas besoin de ces stress additionnels. Son cœur est déjà très fragile. C'est ça le problème, docteur. Ça commence à m'effrayer. Mais attends que docteur, tu ne peux pas la conseiller
t'es allé à l'hôpital au lieu de rester à la maison? J'ai fait de mon mieux, mais toujours rien. Elle a la décision finale et elle paye pour le service à domicile. Qu'allons-nous faire maintenant? Une mère est la protection de ses enfants, juste comme la poule l'est fait pour ses poussins. Dans tout mes tétés, j'ai échoué à mon devoir en tant que mère. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Comment mes enfants peuvent m'abandonner comme une vieille dame qui ne compte pas pour eux? Pourquoi? Je peux toujours me rappeler de notre vie passée. Pourquoi ils s'opposent contre moi? Pourquoi vous me faites ça? Si Ifechukwu n'était pas mort, nous ne serions pas dans cette situation. Sa mort est partie avec tout ce que j'avais comme bien. J'ai perdu ma business. Regarde où nous en sommes maintenant. Tu dois arrêter ça. Tu brises mon cœur lorsque je te vois dans cet état. Qu'est-ce que tu t'attendais de moi? Tamara, qu'est-ce que tu t'attends de moi pendant que les choses se sont tournées contre nous? Maman, ne t'inquiète pas. Arrête juste de parler de ces choses. Nous allons trouver un moyen. Oui, je sais que ça ne sera pas facile, mais t'inquiète. Écoute, je suis en train de réfléchir. Comme nous sommes à une bonne saison, je pourrais arranger là-bas derrière et planter les ignames, les maniocs et d'autres nourritures. Ça pourrait nous aider. Tu sais, Tamara, tu es une fille merveilleuse. Tu ne cesses de me surprendre. Tu es la mère que j'ai. Alors je dois toujours faire de mon mieux pour que toi, tu te sentes bien. Merci. Merci, Tamara. Oh, mon Dieu. Je suis certaine que mon Dieu essuiera tes larmes. Amen. Merci. Arrête de pleurer, maman. Tamara. Tamara. Maman. Est-ce que tu vas bien? Oui, maman. Hein? Es-tu sûre que tu vas bien? Lève-toi un peu. Lève-toi. Oh. Ouais. Tu fais de la fièvre. Tu es très chaud. Je sens de la fièvre, maman. Je vois. T'inquiète. Hein? Fais un effort d'aller à la pharmacie du coin pour t'acheter des médicaments. Et Nogo, laisse-moi aller prendre de l'eau pour toi. Ok, maman, mais je suis faible. Je sais. Je n'arrive même pas à sortir. Je sais, mais tu dois faire un effort. Attends, je vais récupérer l'argent. Dès que tu seras là-bas, tu vas lui expliquer comment tu te sens. Ah, mon terreau, ça va aller. Désolée, hein, ma chère. Ndo, ouais, j'arrive. Aïe, Timon, mon Dieu, je n'ai pas non plus d'argent, j'ai pas assez d'argent, mais, mon Dieu, je te prie, ne me laisse pas, hein. Amogo, hein? Amogo, merci, heureusement que tu es là, heureusement que tu sois venu. Est-ce que tout va bien?
Tamara, je n'ai plus revu Tamara de mes yeux depuis le matin qu'elle était sortie ici, de la maison. Tu l'avais envoyée quelque part? Oui, je l'avais envoyée acheter les médicaments à la pharmacie du coin pour acheter les comprimés de malaria. Allez, mets-toi d'abord, prends place. Prends place. Mets-toi. Prends place. Où est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais aller la chercher? Depuis le matin que je l'ai envoyée, jusqu'à maintenant, il est déjà 15h, elle ne revient toujours pas. Assieds-toi. Mets-toi d'abord. Assieds-toi. C'est pour ça que tu paniques. Mon ami. Il se pourrait qu'elle était allée voir quelqu'un. Qui est quelqu'un qu'elle connaît? Une connaissance. Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle n'est même pas de ce village. Quand elle est partie de cette maison, elle était très faible. Je suis allée jusqu'à la pharmacie pour demander Tamara. Sans suite. Hein? Par où je vais commencer? Où est-ce que je vais aller la chercher? C'est sérieux. Dis-moi. C'est vraiment sérieux. Où peut-elle bien aller? Que j'aille alerter la police? Non, non, non. Elle n'est pas perdue. Patientons un peu jusqu'au soir. Si jamais elle ne revient pas... Oh, non, non, non. Jamais de la vie. Et là, au moins, on pourra aller chez Elona. C'est bon? Pourquoi? Arrête de paniquer. Il n'y a rien. Elle va revenir. Arrête ça. Rien ne lui est arrivé. Peut-être qu'elle est allée voir elle était une très de ses amies. Il n'y a rien. Quand elle est partie, au coin, à la pharmacie. C'est bon. Elle va revenir. Tamara, okay? Où est-ce que je veux commencer? À qui je vais aller demander? Hey! C'est vraiment surprenant. Comment est-ce que quelqu'un peut s'évaporer dans la nature, juste comme ça? C'est ça mon inquiétude. Sans laisser des traces. Mon Dieu, où est-ce qu'elle est partie? Puisque tous ses bagages sont encore là, ses sacs et tout, elle n'a rien porté. Elle est partie main vide. Le pire est que même le vigile n'ont pas vu sa trace, ils n'ont pas vu Tamara. C'est ce que tu essaies de dire? Hé! Hey, je dois sûrement être en train Tamara, de rêver. Tamara. Hé! Hey. Ceci n'est pas bien du tout. Et même la police ne peut nous dire si elle reviendra ou pas. Chaque partie de ce village a été fouillée et jusque-là, aucune trace de sa disparition. Oh, Tamara, comment tu peux me faire ça? Tamara, tu me mets dans les troubles, mon Dieu. Oh, tu veux encore m'ajouter d'autres problèmes. Comment je vais expliquer ça? Qui me croira? Comment je vais commencer à l'expliquer? Hey! Ne perdons seulement pas espoir. Elle sera retrouvée. Je pense que c'est le bon moment d'appeler sa famille. Pourquoi pas sa mère? Je l'ai déjà fait. Comment je vais expliquer à son stupide oncle? Comment expliquer à cet homme qui s'est fou de la vue de Tamara, qu'il pleuve ou qu'il neige? Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Hey! Alors, que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire? Je ne sais pas où commencer, ma sœur. Sincèrement, pour être franc avec vous deux, je suis totalement confus. Je suis perdu. Hey, maman, sois juste forte, ok? Tu dois juste y aller doucement, ok? Après tout, ce n'est pas à cause de toi qu'elle a disparu. Nous sommes même allés chez elle. Nous avons même vu son oncle, mais elle n'est jamais rentrée là-bas. Et l'oncle était vraiment insensible. Il ne s'inquiète même pas si Tamara est en vie ou morte, ou si elle a disparu ou non. Comment j'arriverai à dormir, ne sachant où trouver Tamara? Et si elle était déjà morte?
Et si sa vue a été mise en péril par tous ces gangs de la ville? Maman, ça c'est une possibilité que tu ne dois pas écarter. Donc je te conseillerais de commencer à accepter cette réalité. Accepter? Maman, maman, tant que Dieu est vivant, si Tamara est en vie, sûrement elle reviendra un jour. Alors si elle n'est pas en vie? Tamara, où es-tu? Où? Pourquoi le pleur et le chagrin ne quittent pas ma vie? Tamara est en péril. Jusque maintenant, nous ne savons où la retrouver. Maintenant, ce sont mes fils. Ce sont mes fils qui m'ont abandonné. La seule personne que le monde m'a laissé. Ils m'ont abandonné. Dieu, quel péché ai-je commis dans le passé pour que les gens me traitent avec cette cruauté? Pourquoi? Quoi? Non, madame. Vous ne devriez pas pleurer. Maintenant, arrêtez de pleurer. Comment? Comment pourrais-je? Comment je le pourrais pendant que ma vie est en train de s'assombrir? Comment je le pourrais pendant que le seul bien qui m'a été laissé m'a quitté? Je fus dans la solitude et dans le froid en train de mourir. Madame, vous n'êtes pas toute seule. Je ne suis pas ici pour vous faire une prescription, mais je suis là pour vous. Ok, bien. Je suis d'accord avec toi. Mon Dieu, ce n'est pas juste. Est-ce le mérite? Maintenant, arrêtez de pleurer. Sentez-vous très à l'aise. Dieu, est-ce juste? Je te demande, Dieu, est-ce juste de ta part? Est-ce que je mérite tout ça? Mon Dieu, réponds-moi. Où quoi ça? Noma, je n'arrive toujours pas à croire ce que mes yeux ont vu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu? J'étais à Saba aujourd'hui, voir un ami à moi. Avant, j'ai cru que j'avais vu un fantôme. Mais... Mais quoi, Elona? Hein? Ne me laisse pas en suspens.
Noma, j'ai vu Tamara. En chair et en os. Aujourd'hui même. Ceci est vraiment un moment clé dans notre vie. Le business grandit, ça évolue très bien. Et la femme qui est à côté de moi mettra bientôt au monde. Oh yeah, oh yeah. Et Dieu nous a été très fidèles. Notre business est maintenant stable. Nos femmes enceintes. Et nous sommes des pères en devenir. Et toutes les deux, nous allons devenir de mères. J'aime cette partie-là. Sérieusement, je bénis Dieu pour sa bonté, sa grâce, ainsi que sa fidélité. Je veux dire, mais les gars, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, que nous devons aussi faire. Ça peut bien être quoi? Parce que pour mais moi, tout va bien. Il n'y a rien, oh, oui. Tout va bien. Votre maman. C'est quoi avec vous? C'est de votre mère que nous parlions ici. Vous avez abandonné cette femme pendant beaucoup de temps. Et ce n'est pas du tout bien. Et qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien, Natacha? Écoute-moi, Natacha, cette vieille femme ne doit pas faire partie de ses succès. Le sorcier n'aime pas le progrès. Cette femme est une sorcière. Frida, c'est de notre belle-mère que nous parlions ici. Tu ne peux pas la traiter d'une sorcière. Elle n'est pas une sorcière. Arrête toutes ces bêtises. Arrête-moi ces bêtises. Elle ne vient pas gâcher notre moment ici. Ah ah. Bien, en effet, tout le monde parmi nous ici est occupé. Si nous avons du temps au mois de décembre, c'est-à-dire si nous en avons, on pourrait peut-être décider de lui rendre visite. Et c'est là si ce monde n'est pas occupé. Oui. Parce que je ne veux pas du tout que quelque chose puisse arriver à mon enfant. Es-tu la seule qui est enceinte? Je suis aussi enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et Paul, tu ne dis rien du tout? Ça, c'est très important. Que veux-tu que je dise? Ma femme m'a déjà tout dit. C'est vrai? Je vois. Nous sommes enceintes. Rien ne va lui arriver. Dieu ne nous laissera pas tomber. Ah, Docteur Joe, Dieu merci, vous êtes ici. Qu'est-ce qui lui arrive actuellement là? Sa fille qui a été portée disparue est là 10 ans. On l'a aperçue aujourd'hui en vie. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle s'est évanouie. Je vois. Ok. Tamara, arrête de pleurer. Tamara, ça va aller. Arrête de pleurer. Tamara, pour être honnête, pleurer ne va te mener à rien actuellement. Ça ne sert à rien, sincèrement, c'est inutile. La seule chose qui peut t'aider actuellement, c'est d'aller là-bas, oui, et lui parler face à face. Comment pourrais-je l'affronter? Comment je veux l'affronter, me tenir devant elle après toutes ces années passées? Écoute, Tamara, si vraiment cette femme vaut beaucoup pour toi, comme tu l'as dit, la chose que tu devrais faire, c'est d'aller au village, lui expliquer toutes choses. Elle sera surprise par des choses qu'elle ne connaissait pas auparavant. Oh Joe, mon cœur est tourmenté. Mon esprit est tourmenté. Écoute, si ceci peut t'aider à te sentir mieux, je suis prêt à aller avec toi au village. Hein? Juste comme support moral. Et je serai avec toi jusqu'à ce que tout ceci va se terminer. Hein? Non. Ça va aller. Ne te dérange pas. Tu n'y es pour rien. Vraiment, t'en es sûr? C'est d'accord, essuie tes larmes. Non, ma. Nous ne pouvons pas rester assis ici tous les jours à te regarder croupir ainsi. Nous
Nous devons te conduire à l'hôpital pour qu'ils t'hospitalisent. C'est rien que comme ça qu'ils vont suivre l'évolution de ton état de santé. C'est bon? Le drame que tu nous fais là nous dérange. Il met nos cœurs en trouble. Tu dois être proche de ton docteur afin qu'il suive ta santé de plus près. Je n'irai pas dans un hôpital. Si mes enfants ne peuvent pas venir me voir, dites-moi, à quoi bon pour moi de vivre? Tu ne peux pas mourir à cause d'eux. Tu ne peux pas. D'accord, alors pourquoi ne pas d'abord aller à l'hôpital et nous laisser voir comment est-ce qu'on va faire pour les ramener à la raison? N'est-ce pas une bonne idée? Que penses-tu? C'est une magnifique idée. Je vais aller là-bas personnellement et les chercher jusqu'à ce que je les trouve. Là, je reviendrai. Je ne vais pas me déplacer d'ici. S'il faut que je meure, laissez-moi mourir dans ma maison. Le grand problème avec Onoma est qu'elle est têtue. Elle refuse d'écouter. C'est ça son problème. Elle est trop têtue. Onoma, arrête ça. C'est pas bien. On reconnaît un meilleur ami dans la souffrance. Et il y a aussi dit mieux vaut tard que jamais dans la vie. Elona, peux-tu aller droit au but, s'il te plaît? Nous sommes très occupés. Elona, avec ses proverbes. Elona, bienvenue et... jusqu'à présent, nous ignorons la raison de ta visite ici. Je suis ici pour savoir pourquoi vous deux avez abandonné votre mère et le village. Je ne comprends pas. Qui t'a dit qu'on l'a abandonné? Nous sommes très occupés avec les affaires ici. Les affaires ne nous laissent même pas un peu de temps. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Très occupé? Que vous avez abandonné votre mère malade, là au village? Elona, on ne s'attendait pas à ce que tu comprennes exactement ce que nous essayons de t'expliquer. Mais le grand problème est, nos affaires sont vraiment très fragiles. Et ça demande vraiment beaucoup de concentration et notre attention. Pendant que votre mère fragile meurt en peine et tristesse, où et comment vous a-t-elle offensé, vous deux? C'est ça le problème que j'ai avec toi. Pourquoi parles-tu d'abandon? Qui l'a abandonné? Nous sommes très occupés, ne comprends-tu pas? Nous sommes énormément occupés. Votre mère est en train de mourir d'une très haute tension. Et elle a besoin d'un greffage des reins très urgent afin qu'elle vive à nouveau. Personne ne dit plus rien, hein? Vous restez muet. Bien, Elona, tel que nous venons de le dire, nous avons été très occupés avec nos affaires et pour le moment, je ne pense pas que nous avons du temps pour toutes ces futilités. Mais dès que nous aurons du temps, vers la fin de l'année, ou peut-être au mois de janvier, février, peu importe, nous pourrons alors faire une descente au village, voir cette femme et retourner à la cité. Hey, mon cœur vient d'être brisé. Tu ne peux même pas l'appeler ta mère. Tu es en train d'appeler la femme qui t'a donné la vie. La femme qui t'a donné naissance. Cette femme. En toute honnêteté, les gens que j'ai vus aujourd'hui ne sont pas tes enfants. Ils ne sont pas Paul et Chukuma que j'ai connus avant. Mais comment cela peut-il arriver? Est-ce que par hasard quelqu'un serait-il derrière ça ou soit sont-ils envoûtés? Le pire de tout ça est que
même quand je leur ai dit que leur propre mère, Nauma, a besoin d'un greffage de rein urgent. Aucun d'entre eux n'a réagi face à ça. C'était comme si je n'avais rien dit. Alors, mes fils me haient maintenant. Dieu seul sait. Ce qui est arrivé aujourd'hui me bouleverse encore. Pourquoi? Comment cela est-il possible? Tamara. Tamara. Oui, maman. Maman. Chérie? Paul! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as effrayé. Ah, je ne fais que jouer avec toi. Je n'aime pas ce genre de jeu. S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que je veux, non? Pourquoi tu me demandes encore? Hein? Paul, arrête ça. Je n'aime pas de sales blagues. Je veux pas que ta mère puisse s'énerver. Tu ne vas énerver personne. Ne les comprends-tu pas? Ne suis-je pas assez mature pour avoir une femme? Dis-moi. Reste avec moi, bébé. Reste avec moi et tout ira bien. Écoute, je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Il n'y a rien que je ne te donnerai pas. Je t'emmènerai partout dans le monde. Ça ne peut jamais arriver. D'ailleurs, je suis ta sœur. Non. Là, tu as mal parlé. Tu as très mal parlé. Ma sœur, comment? Comment peux-tu être ma sœur? Depuis quand? Et... Chérie, non. Arrête ça, s'il te plaît. Viens à moi, non, s'il te plaît. Ça ne marchera pas. Arrête de m'embêter. Donc, je ne peux pas te toucher. Chukuma, il faut toquer avant d'entrer dans ma chambre. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire que tu ne m'aimes pas? Je sais que tu m'aimes beaucoup. Et en effet, quelle fille n'aimerait pas un beau garçon comme moi? Hein? Non, écoute, arrête. Si tu ne sors pas vite, je veux crier. Hein? Je veux crier. Ça ne sera pas nécessaire. Tes cris seront tellement inutiles. Car il n'y a personne à la maison. Oh, laisse-moi te donner ça. Chukuma, je refuse. Ne me touche pas. Chukuma, je refuse. Laisse-moi. Maman. Tamara. Oui, maman. Tu vas bien? Oui, maman. Comment s'est passé le marché? Ça a été. Tu n'as pas l'air calme. Dis-moi, arrête de faire semblant. Maman, mes parents me manquent. Ça fait 10 ans depuis qu'ils sont morts, alors j'ai pensé à eux. Voilà pourquoi. Désolée, ma chère. Je partage ta peine. Ndo, je suis là. Je suis là pour toi.
Oui, maman. T'inquiète pas, je suis là. As-tu pu acheter tout ce qui était dans le programme? Nem, j'ai fait de mon mieux. Les marchés sont devenus très chers. Très chers, vraiment. Juste utilise ce que j'ai apporté, hein. D'accord, maman. Bienvenue. Fais pour nous quelque chose à manger. Hein? Ok. Ma lumière du matin. Chukuma. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, non? Hein? Chukuma, s'il te plaît, arrête ça. Je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a, non? Hein? Bien, cette fille. Bien, cette fille. Tu penses vraiment que je ne t'avais pas vu en train de sortir de la brousse cet après-midi avec mon frère? Je vous avais vu, non? Je vous avais vu. Dieu me voit. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi? Tu dois d'ailleurs être reconnaissante car c'est nous qui t'apprenons des bonnes choses, les choses secrètes du monde. Assez parlé comme ça, non? Hein? Allons en action. Chukuma, ne me touche pas. Ne t'approche pas de moi, Chukuma. Ne me fais pas ça, non? S'il te plaît, Chukuma, tu veux me dire que tu n'apprécies pas. Pas de moi. Laisse-moi, ne me touche pas, Chukuma. Ouvre-moi ça. Chukuma, je refuse. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, je refuse. Je ne veux pas. Maman. Tamara. C'est quoi? Je veux te dire quelque chose. Ok. Vas-y. Tu n'as pas l'air calme. C'est quoi? Tu as un problème? Je veux bien. Je vais aller dans mon village. Pourquoi? Pourquoi tu veux aller soudainement au village? Pour rien, je veux juste aller dans mon village. Allez, Tamara, je ne suis pas une enfant. Il doit y avoir une raison qui te pousse à rentrer au village. Dis-moi, c'est quoi le problème? Maman, je ne pourrai plus. Maman? Je suis désolée, maman. Je veux aller dans mon village. Maman, tu as l'air très triste. C'est quoi le problème? C'est Tamara. Elle dit que sa famille lui manque. Elle veut rentrer au village. Je lui demande pourquoi et il ne me donne aucune raison. Tamara, est-ce que cela veut dire que tu n'es plus heureuse ici? Tu n'apprécies plus cette maison jusqu'au point de rentrer au village? Hein? Je suis désolée, maman. Je veux rester. Quelque chose ne va pas avec Tamara. Pourquoi elle agit de cette façon? Bon, maman, écoute, tu n'as pas à te prendre la tête juste pour ça. Son village lui manque. Elle a envie d'aller visiter. Je ne vois rien de mal en ça. Maman, tu vois, tu ne dois pas t'inquiéter, ok? Moi-même, je vais lui parler. Mon Dieu, je suis finie. Qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Je suis enceinte. Je ne sais même pas entre Chukuma et Paul qui est le père de cet enfant. Oh, je suis finie. Si maman découvre cette situation, elle sera vraiment déçue de moi. Elle sera totalement déçue. Je devais prendre la décision de quitter. C'était une grande décision de toute ma vie.
J'étais partie les mains vides. J'avais souffert. J'avais vu le noir. J'avais refusé d'avorter. Même si c'était très dur pour moi. Je devais faire de mon mieux pour élever mon enfant ici. Tamara. Tamara, je suis tellement désolée. J'ignorais tout ce par quoi tu passais. Je n'ai jamais su que tu étais enceinte. J'ai cru que tu m'as quittée parce que tu n'as pas pu supporter les difficultés dans lesquelles nous passons ici. J'ai cru même que tu étais morte. Je suis désolée, Tamara. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne m'as rien fait de mal. Tu étais la meilleure mère. Tu m'avais pris comme ton enfant. Une chose que les autres ne peuvent pas du tout faire. Arrête, maman. Si seulement je connaissais tous ces problèmes. Avant ton départ. Non. Ça suffit, maman. Ça suffit. Ça va. Maman. Bon courage. C'est des garçons. Ça suffit avec ce genre de bêtises. Je ne peux plus permettre cela dans cette maison. Comment peux-tu haïr quelqu'un qui t'a mise au monde? Je ne te dois aucune explication. Cela ne te concerne aucunement. Ça me concerne parce qu'elle est aussi ma belle-mère. Si toi tu ne veux pas y aller, moi-même j'irai là-bas et je vais la prendre pour l'emmener à l'hôpital. C'est quoi avec toi? Si tu mets ton pied en dehors de cette maison pour partir dans ce village et rencontrer cette femme, considère ce mariage rompu. Quoi? Tu me menaces avec le divorce? C'est vrai? Tu me menaces pour le divorce? Donc c'est arrivé jusqu'à ce point? Je viens juste te dire ce que mon âme pense et je ne parlerai pas trop sur ces sujets. Oh mon Dieu. Chukuma, dis-moi, qu'est-ce que cette femme t'a fait pour l'amour des dieux, pour que toi, tu la haïsses jusqu'à ce point? C'est quoi? Je ne te dois aucune explication sur les gens avec qui je dois m'associer ou sur la manière dont je préfère vivre ma vie. Je dois dire que je suis reconnaissant à Dieu aujourd'hui parce que tu nous es revenu en vie. Noma, regarde ton magnifique petit fils que tu as maintenant. Aïe, Dieu est grand. Hey, vraiment, Dieu est grand. Exactement. Qui pouvait croire que la disparition de Tamara nous apporterait une bonne nouvelle. Hein? Remercions Dieu pour son amour infini. Tamara. Tantine. Merci d'être revenue. Ce n'était pas facile, mais Dieu l'a rendu possible. Hey, ta maman. Maman.
Dalo, merci beaucoup. Mon cœur est rempli de joie. Onegomwanem, nous avons maintenant un petit-fils. Très mignon. Qui pouvait le croire? C'est ça. Oh, bénissons Dieu. Dans ce cas, je dois vous dire tous. Elona, Amogo. Oui, ma belle. Je n'ai pas un problème d'insuffisance rénale. Oh, Père des anges. Tu dis quoi? Vous m'avez entendu. Comment? Que veux-tu dire? Je l'ai planifié avec le docteur Joe pour que mes fils me reviennent quand ils m'avaient quitté, puisqu'ils ne prenaient pas soin de moi. Mais Dieu m'a répondu avec un petit-fils. Hey! Je suis vraiment étonnée. Mais comment est-ce que les enfants peuvent abandonner leur mère? Hein? Maintenant, je comprends très bien. Donc, Paul et Chukuma t'ont abandonné après tout ce que tu as fait pour qu'ils aient une très bonne vie. Ma fille, mon cœur est brisé. Et je n'aimerais pas reprendre ici ce que mes yeux ont vu. Tous les jours, je me pose la même question. Où est-ce que Noma a mal agi en faisant du mal à sa propre famille pour que Paul et Chukuma abandonnent leur propre mère? Je me suis posé cette question à maintes reprises. J'ai pleuré, prié, demandé à Dieu pour connaître mon offense. Où est-ce que je les ai fait du mal? Mais Dieu, il m'a répondu avec un petit-fils. Qui suis-je? Amogo, Amo Amai, Tamara. Maman. Prends. Cette enveloppe contient les documents du propriétaire de la société de gaz et pétrole Omega. Ok. Maman, je ne comprends pas pourquoi ce que tu me donnes ça. Il y a 10 ans plus tard, quand j'ai perdu mon mari, j'étais revenue au village et c'est là que j'ai découvert que mon mari avait soldé toutes ses terres. Son neveu Elona m'a dit qu'il avait utilisé tout l'argent pour devenir actionnaire d'une compagnie. Je peux bien le faire, maman. 3 mois passés, cette compagnie d'assurance qui était la gestion de ses actions m'a contacté pour me dire qu'il nous cherchait il y a 9 ans passés. Selon ce qui est mentionné dans le dossier, ses actions ont fait les gains de 95 millions de naira. Je pouvais pour faire revenir Chukuma et Paul pour venir voir la fortune que leur père a laissée pour eux. Mais ils m'ont abandonné. Ça me fait mal au cœur, maman. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai accepté mon sort juste comme je l'ai vu. Cette fortune
t'appartient à toi, maintenant et mon petit-fils. Ah, maman, non, c'est énorme, maman, non, c'est très énorme. Tamara, calme-toi. T'en fais pas. Rien ne peut être de trop pour mon petit-fils. Ce n'est pas de trop pour ma fille. Tu as souffert à cause de nous. Maintenant, c'est ton tour de te réjouir. Hé, hey, maman! 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 Mm-hmm. Maman, merci! Oh, maman! Oh, non! Je suis venue avec une proposition. Je sais que ça peut sembler bizarre. Bizarre? Oui. Voyons voir alors. Je me disais, du fait que Paul et Chukuma refusent de venir en visite à leur mère. Appelons-les et dites-leur qu'elle est morte. Morte? Oui, cela fera en sorte qu'elle revienne immédiatement. Oui. C'est très bizarre, je dois l'avouer. Je pense qu'on devrait faire connaître à Noma cette idée. D'accord. Dès que je quitte ici, je me rends directement chez elle. Alors, nous irons ensemble. Peut-être que si tout serait de là-bas, nous les appellerons. Mmh. Voyons bien voir ce que Dieu va faire. C'est ça, Elona. C'est vrai que c'est toujours bizarre jusque-là, mais nous n'avons pas le choix parce que ces deux-là sont vraiment très malins. Je crois que c'est la dernière solution. J'ai un pressentiment, au plus profond de mon cœur, que nous avons tort. Très tort, frère. Nous avons tort. Notre mère nous a rien fait. Mais regarde comment nous l'avons traitée. Oh non! Cette femme est une sorcière. Et nous ne sommes pas tellement libres. Et pas trop loin pour que sa sorcellerie ne nous atteigne pas, ok? Comment peux-tu laisser un autre homme traiter ta mère de sorcière? Et tu crois à cette bêtise? C'est vraiment aussi clair pour moi que sa sorcellerie a encore de l'impact sur toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Elona est en train d'appeler. Tu vois? Ne vois-tu pas maintenant qu'ils sont en train de te surveiller par leur pouvoir satanique? Vas-tu arrêter cette bêtise? Je dois prendre cet appel. Oui, Elona. Quoi? C'est quoi ça? Elle en a dit que tu étais morte. Et que nous devrions venir immédiatement. C'est donc la nouvelle de ma mort. Qui pouvait vous faire revenir vite au village? Mes fils ont préféré me voir dans le cercueil que... Aha. Quand j'ai vu... Oh, oh. Quelle honte! Que Dieu vous pardonne! Et Fido, mes propres enfants, vraiment. Incroyable. Hey! Chukuma, Paul, honte sur vous deux! Ce caractère n'est pas de notre lignée! Hey! Makankemal, fia!
Aimez-le. Mon Dieu. Tu ne peux pas continuer comme ça. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. C'est pas en pleurant que tu vas faire quoi que ce soit. Arrête. Hein? Onegouanem, regarde-moi. J'ai été une bonne mère pour mes enfants. Regarde aujourd'hui comment ils se sont tournés contre moi. Hein? C'est bon. Nous avons tous fiancé. Ce qui confirme leur méchanceté. Ils sont revenus au village et ils ont entendu la nouvelle de ma mort. Et c'est évident qu'ils attendaient ma mort. Mes enfants à moi. Tu sais que même Dieu n'est pas d'accord avec leurs actes. Hein? Omougo, dites l'air de partir. Je ne vais plus le voir dans ma vie. Anaba. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'ils rentrent d'où ils viennent. Ah, mais Unoma, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas les rejeter, peu importe ce qui s'est passé, ce sont tes enfants. Ils ne les sont pas. Dites-leur de partir. Unoma, peu importe le problème. Tu ne peux quand même pas les rejeter, c'est tes enfants. C'est quoi ton problème au juste? Ce sont eux qui m'ont rejeté en premier. Ils m'ont donné le dos. Mes propres enfants souhaitent ma mort. Ils ont souhaité que je meure. Ma propre chair, ils sont. Comment tu peux expliquer ça, Djigogu? Je t'en prie, ma soeur. Essaie de calmer. Là-bas. Tu ne peux importe, quand même faire ça. Dites-leur de partir. Je ne vais plus le voir. Qu'il parte. Quelle méchanceté. Je ne compte pas pour eux. Mes fils souhaitent ma mort. Elona, nous sommes vraiment désolés pour tout ce que nous avons fait. Nous aimerions que tu nous aides à parler à notre mère pour qu'elle nous pardonne. Pardon. Elona, s'il te plaît, juste comme Chukuma a dit, nous sommes tellement désolé. D'ailleurs, nous avons honte de nos actions. Donc, nous regrettons. Nous sommes sincèrement désolés de tout ce qu'on lui a fait. C'était pas juste. Vous êtes vraiment désolé. C'est ce que vous dites. La femme qui vous a donné la vie. Et même quand la nouvelle de la maladie avait atteint vos oreilles, vous deux, vous avez endurci vos cœurs. Elona, nous n'avons pas fait tout ça expressément. Le diable nous a trompés. Et maintenant nous avons réalisé notre erreur. S'il te plaît, aide-nous à parler à notre mère. Aide-nous, hein, s'il te plaît. Aide-nous vraiment. S'il te plaît. Je ne vois pas de diable ici. Je vois deux hommes sans cœur, très méchants, qui vont traverser le pont et rentrer d'où est-ce qu'ils viennent. Quelle honte! Quelle humiliation! Je ne suis pas surprise. Parce que vous deux, vous êtes de très méchants. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu avait donné à cette bonne femme les enfants comme vous. Je me demande. Nous venons de dire que nous sommes désolés. Hein? Nous voulons juste qu'elle nous pardonne. Hein? Laisse-moi te dire. Ne commençons pas à entrer en détail de tout ce qui s'est passé. Le vrai problème est que ce n'était pas intentionnel et nous sommes très désolés. Oh, honnêtement, nous regrettons tous nos actes. S'il te plaît, Elona Yakayo Mama, Bikono,
Parle à notre mère, je t'en prie. Maman, nous sommes sincèrement désolés. Pardonnez-nous. Je sais très bien que nous ne méritons pas ton pardon. Mais s'il te plaît, maman, rappelle-toi que nous sommes toujours tes enfants. Pardonne-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Maman, nous savons que nous avons fait des choses impardonnables. Des choses méchantes devant Dieu et même devant les humains. Mais puisque le Christ pardonne l'Église, s'il te plaît, pardonne-nous tes enfants. Sérieusement, maman, ce qu'on a fait est une abomination. On ne peut même pas expliquer ce qui nous avait pris, ce qui nous avait envoûté. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. C'était le diable. Oui. Le diable nous avait trompés. Pitié, maman. Je t'en prie. Pitié. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. J'avais envie de venir ici depuis très longtemps. Parce que je me plaignais pour leur abandon. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. Pour l'amour de Dieu, pardonne-nous tous, maman. Biko. Nom, sache qu'il n'est jamais trop tard pour bien agir. Nom, mais s'il te plaît, ne te laisse pas dominer par la colère. Peu importe les problèmes, ils sont toujours tes enfants. Je t'en prie, ma belle, calme-toi, oh. Ce sont tes enfants, oui. Ne les irrite pas, ma chère, mais trouve une place dans ton cœur pour les pardonner. Pardon, ne t'irrite pas, s'il te plaît. Maman. Je sais que j'étais aussi choquée. Maman, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Enlève la colère. Biko, s'il te plaît. Oh, dis-moi. Je t'ai entendu. Ok. Avant ça, qui parmi vous deux a enceinté Tamara? Quoi? Vraiment? Vraiment? Donc, tous les deux, vous avez abusé d'une innocente fille? Laissez-moi vous dire, hein. Vous l'avez carrément violée, mais elle avait disparu. Nous allions la chercher, c'est quoi ça? On l'avait fait. Nous avions essayé de la chercher, mais elle était introuvable. Exactement, nous avons fait de notre mieux. Honnêtement, c'est vraiment horrible, c'est méchant. Et le pire est que vous ne savez même pas qui d'entre vous l'avait engrossé. Pouvez-vous imaginer?
Il n'y a que le test d'ADN qui peut certifier cela. Oui, et cela doit être fait. Il faut. C'est rien que comme ça que je saurai ce que j'ai en face de moi. Je suis aussi d'avis. Ça doit se faire ainsi. Bien sûr. Oh. Je suis une mère. Un devoir sacré pour une mère. Et toujours de protéger sa famille. Mon cœur a été brisé. Mais je n'ai rien à faire. Je vous pardonne. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Je ne saurais garder de rancune dans mon cœur contre vous. Maintenant que je suis au parfum du tout. J'ai quelque chose à dire. Je suggère un test d'ADN. Ils doivent tous faire cet examen. C'est comme ça qu'on sera certain du vrai père de l'enfant. Cela est très important et c'est une très bonne idée. Je ne suis pas intéressée de savoir qui est le père de mon fils. Je ne le suis pas. Je prends toujours soin de cet enfant et je vais continuer de cette façon. Je n'ai pas besoin d'aide d'une personne de cette famille. En tout cas, non. Tamara, peu importe ce que tu décides, je suis avec toi. Je veux que tu te relèves. Je veux m'assurer que promesses vivent bien. Tu ne manqueras de rien. Oh? Merci, maman. Tamara, nous avons remarqué toutes nos erreurs et nous regrettons toutes nos actions. Nous t'implorons, s'il te plaît, pardonne-nous. J'aurais voulu remonter le temps pour corriger toutes mes erreurs. Je suis vraiment désolé. J'ai plus de problème avec vous. En fait, tout ce qui s'est passé est resté dans le passé. J'ai déjà tourné la page. Je vis déjà. Ojo, je sais que tu es un bon homme. Oui, un très bon homme. Tu as un très bon cœur. Tu as toujours été là pour mon fils et moi. Tu es toujours là. Mais le problème est que je n'ai pas envie d'être une femme de quelqu'un. Oui, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre moi-même, de prendre soin de mon fils et de préparer son avenir. Tamara. Oui. Je mentirais si je disais que j'étais contente de ça. Parce que moi, personnellement, je te voyais déjà comme ma femme et... Je pensais même passer toute une éternité avec toi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Je ne peux certainement pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Je respecte ta décision. C'est d'accord. Merci pour la compréhension. Tu vois, tu es un homme bon. Merci énormément. Mais Ojo, je ne veux pas que nous soyons des ennemis. Tu sais que j'ai toujours apprécié ton amitié et j'aimerais que ça puisse continuer ainsi. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Ce que tu viens de dire maintenant
ne va pas du tout changer la façon dont je te vois. Aussi blessant que ça en a l'air, je ne changerai pas la façon dont je te vois. Ok, je crois que je dois y aller maintenant. Ok. Bien, disons que je te verrai quand je te verrai. Très bien. Bye. Bye. Ma chère. Maman. Tu crois que c'est la meilleure décision pour ta vie? Oui, maman. Je n'ai pas envie d'être la femme d'une personne. Je n'ai pas envie de me marier pour les moments. J'ai juste envie de prendre soin de mon fils et de préparer ma carrière. Ok. Si tu crois que c'est ça la meilleure des choses pour toi, tant mieux. Sache juste que je serai toujours là pour toi. Dieu merci pour ces gains. Cet argent te servira à toi et promesse toute la vie. Tu ne vas plus jamais souffrir encore. Ah, merci beaucoup, maman. Merci énormément. Tu sais, hein, dans cette vie et dans la vie à venir, je vais toujours te choisir comme ma mère. Ma fille, dans cette vie et dans la vie à venir, juste comme hier, tu seras jamais ma fille.